dire. On n'est pas en train de reprendre la vie, enfin la vie d'avant, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir sortir, faire ses achats, acheter, voilà quoi, acheter ce qu'il faut quoi. Enfin, parce qu'en fait, enfin, on est resté confiné à un moment. On avait le droit de sortir, acheter de la nourriture et tout, mais pas de vêtements quoi. Et là, ça fait plaisir de pouvoir sortir. Et... Et je me suis acheté un ordinateur, un téléphone. Bah oui, bah j'ai emmagasiné les sous de mon anniversaire. j'ai pas dépensé pour le dépenser en vrai. J'aurais pu le faire en click and collect aussi. Non. Le plaisir d'acheter en boutique, c'est pas le même que sur Internet. Comme partout, il y a eu 3-4 mois de confinement, mais on a souffert plus qu'ailleurs aussi parce que les Champs-Élysées vivent beaucoup de deux types de visiteurs. Les touristes étrangers, ben, ils sont pas venus. Et puis la deuxième population, c'est les gens qui viennent travailler dans le quartier. Le 8e arrondissement, c'est le premier quartier d'affaires de Paris. 180 000 personnes, plus que la Défense. Eh bien, ces gens sont en télétravail. Donc si la conséquence du Covid, c'est un recul de l'activité en général de 40-50%, sur les Champs-Élysées, c'est 70%. Les Champs-Élysées, c'est une artère qui génère environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an et que on a probablement perdu... On a probablement perdu 1 milliard d'euros, oui, 70% sur 1 milliard et demi, oui. Entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Il n'y a pas d'activité. Vous avez une quinzaine de surfaces qui sont vides. Pas à cause du Covid, à cause de ce qui se passe depuis novembre 2018. 70 samedis, 70 dimanches où les lignes de métro étaient fermées. Les jours où les gilets jaunes avec les black blocs sont venus mettre le feu, casser les vitrines, saccager les magasins, ben, si vous voulez, tout ça, ça pèse énormément.